Grand Utopia est plein de surprises. Cette carte Euro Truck regorge de recoins exceptionnels, que ce soit pour l'univers de la France, comme pour les autres univers du créateur de ce mode. Depuis que j'ai arrêté les vidéos sur le jeu, ces derniers mois, beaucoup de choses ont évolué. De nouvelles routes ont été ajoutées, ainsi que des villes. Le week-end dernier, je vous ai proposé un sondage concernant la vidéo d'aujourd'hui. Vous aviez le choix entre explorer les nouvelles routes d'Akokan Island, cette île paradisiaque située au sud de Grand Utopia, ou bien, à l'opposé, explorer les nouvelles routes de Mygotopia, l'univers un peu américain au nord de Grand Utopia. Bien que nous explorerons les deux univers, vous avez décidé de commencer par les tropiques. Avec cette saison, vous avez bien raison. Alors les amis, prenez votre chapeau de paille, votre petit cocktail, prenez de quoi boire et manger, et n'oubliez pas la crème solaire. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, évidemment vous l'avez compris, Grand Utopia. Et avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous remercier infiniment pour vos retours justement sur la vidéo de la semaine dernière. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir vos retours. Je voulais un petit peu qu'on fasse le point avec Grand Utopia parce que il y a eu des nouveautés, plein de choses dont je n'étais pas au courant. Merci à MyGodness de m'avoir guidé sur les nouveautés justement, MyGodness le créateur de la map. On a Fox Haven ici, tout ça a priori Crater Lake. Je sais plus du tout si on avait déjà vu ça une fois ou pas. Je sais qu'ici il y a l'île des patrons, c'est ceux qui soutiennent financièrement MyGodness. Je sais que Malter a été mis à jour, donc la ville de Malter, il y a eu pas mal de changements sur cette ville là. Et puis du coup côté Akokan Island, juste ici, on a donc Port Meli qu'on connaît avec les routes en blanc. Et donc les nouveautés, on a Asamaka de ce côté là avec, regardez, des routes donc qui font des beaux zigzags. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis une autre partie sur le côté est où on peut aller à Gugaram et à Tagafadi. Du coup les amis, toujours accompagnés de ce fidèle camion, donc ce Renault porteur, nous sommes du coup à Port Meli, à Lowfield, l'entrepôt Lowfield. Aujourd'hui on va transporter des rolls de plantes et on va transporter ça sur Asamaka, juste ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va livrer dans un premier temps dans cette entreprise là. Il nous faut 12 minutes de trajet et on doit livrer avant 10h30. Ensuite, une fois qu'on aura livré les rolls, on va du coup repartir avec des palettes. Les palettes, on va les livrer juste au-dessus, c'est juste à côté, tranquille. Et puis après, pour le plaisir, on ira à la cinématique là et on regardera la vue qu'on aura d'ici. Et puis voilà, après il reste encore toute cette partie là, mais le but c'est pas non plus de tout spoiler. Et puis de toute façon, on aura bien l'occasion de voir ça par la suite. Donc voilà, l'itinéraire est fait. On va rentrer hop directement dans le camion. Hop là, impeccable. Tout est bâché, tout est sanglé, n'est-ce pas? Et il est 9h58, donc on a un quart d'heure pour y aller. On a largement le temps, donc ça fait plaisir. Ok les amis, on va y aller, c'est trop cool. Attends, on va fermer la fenêtre. Normalement tout est bon. C'est trop cool, c'est vraiment un plaisir. J'espère que je vais mieux rouler que... Ah, on a toujours pas le GPS intégré par contre. Et donc on est parti pour 12 minutes de route et du coup d'exploration, puisque vraiment c'est nouveau, je ne connais pas du tout là où on va, toute cette nouvelle route, donc c'est trop cool. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous allez découvrir en même temps que moi, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'on va passer vraiment du bon temps ensemble. On va aussi discuter aujourd'hui, donc cette fois-ci aujourd'hui on va pas parler de ma formation, j'en ai déjà... Putain, mais là on se prend tous les cailloux là, c'est n'importe quoi là. Je suis pas sûr que je vais avoir le camion adapté pour les routes qu'on va prendre. Hein. Moi je vous dis... Wow. Voilà, on va mettre le ralentisseur mais pas trop non plus. Par contre aujourd'hui on va parler du contenu Euro Truck qui va arriver par la suite. Parce que les amis, j'ai plein d'idées. Et en même temps... Putain, mais il y a un chemin à droite aussi peut-être qu'on pourrait voir. Bon écoutez, on n'est pas là pour ça. On aura déjà assez à visiter. Wow, putain, je suis parti à balle là. Allez, c'est parti. Écoutez les gars, ouais, j'ai déjà des idées de contenu à faire que je vais pas encore vous dire pour des raisons assez simples. C'est que j'ai pas envie de vous donner envie sur un truc. Et si je le fais pas, c'est chiant. En plus, ça va donner la pression parce qu'il faudra absolument que je le fasse. Et d'un autre côté, j'ai pas forcément envie qu'on me pompe des idées. Voilà. Bref, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, ceci étant dit, ceci étant fait... Au-delà de mes idées, ça reste des idées de concept entre guillemets, enfin pas des concepts, c'est pas... C'est des idées de vidéos. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous, entre guillemets, vous attendiez. Le bus, il galère. Hein. Oh, le bus, il galère. Hein. Par contre, pourquoi ça a freiné d'un coup, je ne sais pas. Et j'ai calé. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Hein.
Mais justement, on en vient à ça. En fait, les amis, je me demande vraiment ce que vous voulez voir par la suite. Parce que déjà, les 4 prochaines vidéos, je sais déjà ce que je veux faire. Mais par la suite, est-ce que vous voulez quoi? Qu'est-ce que... Il y a West Balkan qui va sortir, le DLC des West Balkan. Donc, ouais, là va... Eh les gars, vous allez vous faire foutre. Parce que là, on va jamais y arriver. Voilà, vous allez vous faire foutre. Moi, je vous passe devant. Et c'est très bien comme ça. Voilà, on va faire gaffe au branchage. En gros, est-ce que vous voulez continuer de voir des vidéos avec le camion porteur? Ou est-ce que vous voulez qu'on repasse par la suite en camion semi? Comme dit, les 4 prochaines vidéos, ce sera comme ça. Mais par la suite, moi je vous parle de vraiment l'avenir des contenus. Est-ce que vous voulez qu'on passe en semi? Est-ce qu'on reste en porteur? Est-ce qu'on crée une aventure avec justement le DLC West Balkan? Ou est-ce que vous voulez qu'on recommence à zéro sur Grand Utopia? Dites-moi. Oh putain. Cette situation elle est pas mal là. Cette situation elle est vraiment cocasse. Attendez. Allez. MDR. Ah bah voilà. J'ai la roue arrière qui tourne dans le vide. Ok. Putain, du coup là j'ai relevé l'essieu arrière et là ça fonctionne. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ok, j'ai réussi. Alors là, là je veux bien évidemment et je compte sur vous pour m'expliquer ce qui s'est passé. J'ai relevé l'essieu arrière et ça fonctionne. Mais c'est pas logique. C'est ça ce que je comprends pas. D'autant plus qu'avant ça ne fonctionnait pas justement. C'est parce que j'ai baissé l'essieu arrière que j'arrivais à remonter. Alors là je veux bien une explication. Je veux... Bah, putain mais c'est quoi ce chemin? Ok, ça va être comme ça tout le long les gars. On y arrive. Je vais mettre... Ouais j'ai exagéré là. On va rester en 6ème. Voilà. On va rester en 6ème. 10 000 tours, 16 km/h. Je crois que là de toute façon on s'est fait arnaquer. Waouh, jamais de la vie. Incroyable. Bon, c'est vraiment pas le camion adapté pour ça. Je vois les gros virages qui nous attendent. Je pense que en une fois ça va être compliqué. Et du coup ça va être quasiment impossible. On va voir. On va voir. Et remarque là il y en a un qui est là. Il y a un camion qui a réussi à aller jusqu'ici là. Bonjour messieurs, ah, c'est en travaux et tout, pas de problème. Non non bah écoutez, je pense que je peux continuer alors. Je pense que je peux continuer alors. Alors là on va rigoler. Là on va rigoler. Non ça passe crème. Oh ça va aller, franchement ça va aller les amis. Bon, je me concentre et puis après je continuerai mon début de phrase. Parce que j'ai toujours pas fini mes phrases du début de vidéo hein. C'est quand même assez incroyable. Là faut juste qu'on arrive à tourner. Là les plantes elles se font retourner dans tous les sens hein. Les rolls là je les entends frère. Ok, alors là mon pote, désolé je regarde pas à gauche. Ça marche. Ça marche totalement, ça marche totalement. Ok, bon. Ouais, du coup les amis, je vous demandais par la suite, dans les 5 prochaines vidéos, qu'est-ce que vous attendez comme vidéo concrètement sur Euro Truck? Est-ce que donc on recommence une aventure sur Grand Utopia à zéro? Est-ce qu'on recommence une aventure avec le DLC des West Balkans? Est-ce que... Ça passe. Ça passe, ça passe. Et là par contre j'ai joué avec le feu là. J'ai joué avec le feu. Est-ce que vous voulez qu'on roule en porteur justement pour la nouvelle aventure? Ou au contraire, est-ce qu'on repart sur un semi? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse, je veux vraiment savoir ce que vous attendez. Parce que là par exemple la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo concrète sur l'instant T. C'est-à-dire que c'est pas une série de vidéos quoi. Genre là je sais qu'on va explorer des routes en particulier. Mais voilà, moi j'aimerais vraiment savoir ce que vous attendez réellement. Voilà, je me suis un petit peu répété je pense. Mais comme je savais plus où c'est que j'en étais dans mon bordel là, je suis désolé. Mais voilà, je dois livrer avant 10h30 je le rappelle. Je ne pensais pas que ça allait être aussi tendu. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Puis de toute façon je pense que les mecs qui attendent leur réception sont bien au courant. Ou alors ils vont tout simplement prendre pour un connard d'avoir pris cette route alors qu'on pouvait prendre la vraie départementale sur le côté là. Parce que ça c'est un chemin forestier là. Mais je savais pas moi que ça allait être un chemin forestier, j'y ai pas pensé, voilà j'ai pas pensé à ça.
My goodness, il doit être en train de se foutre de ma gueule. Mais assez curieux pour cette histoire de l'essieu arrière là, j'ai pas compris. Parce que l'essieu arrière par défaut il était levé hein. Et ça ne marchait pas. Donc je le baisse. Oh là ça craint. Donc je le baisse. Ça ne marchait pas. Et du coup je le relève et ça a fonctionné d'un coup. Donc trop bizarre. Là ça passe crème, pas de problème. J'ai pas besoin de regarder à droite là pour le coup. Moi je sais que je suis bon. Impec. Putain. On va éviter de se renverser. Ah c'est bien le camion là, quand tu prends une route comme ça, le camion il a une utilisation, après il est mort. On a même pas besoin du GPS. On peut rester en totale immersion pour le coup. Bon là faut clairement pas croiser d'autres véhicules. Genre l'ONF quoi. Parce que là mon pote je m'arrête pas hein. Je te le dis direct, je me mets, déjà je me mets pas sur le côté, c'est juste mort. Mais en plus du coup je m'arrête pas hein. Et on a un aperçu sur l'océan les amis, oh là là. L'océan à l'horizon. Ah on a un petit checkpoint ici. C'est magnifique, y a pas de vue là. Non c'est un parking juste. Et on peut s'arrêter là. Alors je vais me permettre de m'arrêter étant donné que c'est plat. Attention. Putain c'est même pas écrit en français. Customs déclaration. D'accord, faut faire attention quoi. Ça va monsieur? Ouais il a l'air de bien aller. Avec une vue complètement dingue. Ça permet de faire une petite pause et de voir c'est quoi ce qu'on voit là à droite. Bah c'est Port-Mélie en fait. Ce qu'on voit à droite c'est Port-Mélie ici. On a fait un petit détour. Et je disais, vous voyez, là il y a une vraie départementale. On aurait pu prendre une vraie route pour y aller. Et au final on a pris un chemin forestier. Et au final c'est un chemin forestier également qui nous attend pour la prochaine vidéo. Donc voilà. J'avais pas prévu ça. Alors soit on y va en porteur. Bah je vous laisse me dire. Soit on y va avec le camion porteur. Ou soit on y va avec un semi spécial parce que là c'est vrai que ça va être compliqué. Je vous laisse me dire, c'est vous les patrons pour cette fois-ci. On a fait que la moitié du chemin. Hein. Voilà, on a fait que la moitié du chemin, c'est formidable. Bon bah écoutez, on va continuer. Là ça va bien se passer maintenant, on est vraiment bien lancé. C'est vrai que là tu fais un faux pas, tu tombes dans le vide. C'est quand même formidable. Bon. Ok. Faut quand même vite tourner. Voilà. Non, c'est vrai que c'est bien le DLC des West Balkans. En fait, j'ai un doute. Donc, j'ai vraiment hâte de voir en commentaire ce que vous voulez voir par la suite. Parce que moi, j'aime beaucoup Grand Utopia. J'ai des idées de vidéos à faire du coup. Mais ça ne suffira pas à en faire une dizaine de vidéos dans l'instant T. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, c'est pour ça. Là, c'est le grand retour de Road Truck, je pense. Je pense, les amis. On est bien loin de ma période où j'étais lassé, clairement. Après ça se voit et vous me le dites que ça se voit donc c'est clair. Mais voilà donc à voir, peut-être les West Balkans et... on verra. Et SS Software hein, si jamais vous voulez me faire un petit cadeau ou un petit cadeau pour la communauté, n'hésitez pas hein. Déjà il n'y a rien qui va, regardez. Juste cette cinématique, tu vois qu'il n'y a rien qui va frère. Le camion là, il a rien à faire ici. Ah, attends, il y a plein de panneaux là. Oh là là, on va passer sous un pont là? Tu rigoles. Ah non, on passe sur un pont, d'accord, ok. Ça c'est déjà une bonne chose. Je préfère passer sur que sous parce que là, j'avais pas du tout prévu ça. Alors attendez, bougez pas. Oh purée de pommes de terre, oh purée. Non mais, vous avez réfléchi des fois ou... Mais fallait me préciser, my goodness. Alors attends, déjà à gauche ça passe. Et en fait je suis déjà tout droit. J'ai pas fait exprès mais je suis juste impeccable. Je suis impeccable. Oh là là mon pote, c'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est quand même pas rien là ce qui est en train de se passer, j'ai envie de te dire. Bon, du coup j'ai un peu abandonné le track hier hein, pour ceux qui connaissent. C'est justement l'appareil qui permet de suivre le mouvement de la tête. Pour le moment, je vais pas vous mentir, je l'ai laissé de côté. Parce que là je vais être dans la merde. Mais non ça passe. Franchement ça passe depuis que j'ai levé l'essieu là. Ouais je sais pas, je pense qu'il fallait que l'essieu soit levé mais... Mais bref, ouais, du coup, ouais, je l'ai laissé de côté parce que, bah, comme dit, j'ai pas envie de me perturber plus que ça, même par rapport à la vraie vie, tu vois. Après, tu vas avoir le réflexe de tourner la tête et de regarder droit devant, enfin, c'est terrible. Mais voilà, quoi. Putain, mais là, tu peux pas passer, là. Là, normalement, je peux pas passer, là, mais bon. On va faire comme si, hein. Paf, paf. Là, ça frotte, ça frotte, ça frotte. La bâche, plus de bâche, terminé. Bon, de toute façon, on s'en fout. Là, c'est même plus la bâche qui va poser problème. C'est tout le bazar, là. Tout le bazar, là, je suis en train de tout foutre en l'air.
Alors attends, bonjour. Ok. Oh, puis là ça va descendre en plus. Voilà, on est bien, on est très très bien même. Et là on arrive au village hein, je crois. Je vois des maisons hein. Ouais, on arrive au village. Donc magnifique, on va pouvoir un petit peu explorer tout ça. Il est quelle heure? Il est 10h26. Bon. J'espère qu'ils vont être cléments. Je suis juste au-dessus de chez eux de toute façon. J'espère vraiment qu'ils vont être cléments. Et on embrasse tous les cléments d'ailleurs. Si vous appelez Clément, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Voilà. Hop, 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 hop. Et on aura un autre client juste au-dessus. Mais j'espère que ce sera de la route normale là. Et que les chemins de terre c'est fini. Parce que là, à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Ok. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit une vraie route. Je suis un petit peu déçu. Oh, je me suis arrêté. Alors, je préfère ça que Calais. Bon, alors là, on va bien rigoler, les amis. Alors là, on va bien rigoler. J'ai aucune vue. J'ai pas moyen de me lever. Non, là, de toute façon, je suis mort. Là, les amis, de toute façon, je suis mort. Asamaka découverte. Très bien. Bon, ça va partir. Arrête! Ça va partir sur une marche arrière, si c'était possible. Ok. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a la certitude qu'il n'y a personne. Donc, voilà. Ça, ça fait plaisir. Ok. Là, on peut descendre. J'espère que je pourrais faire demi-tour. J'ai même pas cherché à savoir. Ok. Je me chie dessus, hein. Je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est un plaisir. Très joli lampadaire, cela dit. Ok, bonjour à tous. N'ayez pas peur de voir un camion ici, c'est normal. Je pense pas que ça les choque de voir un camion, mais voir un porteur surtout. Bonjour monsieur. Ouah, et c'est trop joli par contre. C'est trop joli. Magnifique, petite maison. Il y a un petit, j'allais dire un oasis, il y a de l'eau là-bas. J'aime bien la couleur de l'eau. Oh là, attention madame. Wesh, maintenant il y a des gens qui marchent. My goodness, préviens hein, quand tu fais des dingueries comme ça. C'est trop bien qu'il y ait de la vie. Voilà, encore un grand bravo à tout ce travail. Ok, on arrive. Attends, il y a l'insigne ici, mais c'est pas là que je dois livrer. C'est au bout que je dois livrer. C'est quoi, c'est un restaurant ici, c'est ça? Ça, c'est sympa, je pourrais manger là un coup après. Je pense que c'est un magasin, oui, ou un truc de gibier, enfin. Ok. Moi, c'est au bout de la rue, hein. Je préfère remettre le GPS. Voilà, la vue qu'ils ont quand même, les salauds. Et les gens qui marchent, c'est vraiment génial. La vie, c'est complètement dingue. Alors vous allez voir, là, il va faire de plus en plus nuit dans mon décor. Hein. C'est quand même assez incroyable. Monsieur, n'hésitez pas à vous pousser quand vous voyez un camion venir quand même. Hein. Voilà. Oui, mais Mkolo, les camions sont prioritaires. Les camions, bah voilà, lapsus. Les piétons sont prioritaires. Eh oui. Vous avez tout à fait raison. Ok, on est arrivé, putain. Sain et sauf, je sais pas comment. Je suis là les copains. Hop là. Bon j'ai je suis pile à l'heure. 10h30. Je suis pile à l'heure. Incroyable. Bon vous voulez que je me mette comment là les gars? Ah bah attendez, je vois des palettes ici. C'est peut-être les palettes que je vais devoir charger. Voilà, surtout ne bougez pas. Vous avez raison, n'ayez pas peur. Voilà. Moi je vais me caser juste ici. Et vous allez me décharger par derrière hein. Et puis c'est tout. Ok les amis, je fais le déchargement et je vous retrouve juste après. Des bisous. Ok du coup les amis, le déchargement a bien été fait. Le chargement du coup des palettes ont été faites. On va pouvoir du coup y aller tranquillement. Et on va monter du coup à l'entrepôt qui est juste au-dessus. Donc on est là à Asamaka. On va juste donc livrer chez AD Translog. Juste là. Et après on ira redescendre ici. Je vois des zigzags ici. Et on ira jusqu'à la cinématique. Évidemment, je pense qu'on en a assez chié. Mais j'ai vraiment hâte de vous lire. De voir ce que vous en pensez. Savoir du coup si si on y va en mode putain, j'ai pas le réflexe de mettre le frein de parc sur le jeu, c'est incroyable. De savoir si on y va en semi la prochaine fois ou si on continue avec le porteur. J'ai tendance à dire que je ne sais pas. Et puis pareil pour la suite de l'aventure les amis, ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on redémarre, tu sais pas où tu vas toi hein. Est-ce qu'on redémarre Grand Utopia? Est-ce qu'on fait le West Balkan qui sort qui est sorti au moment où cette vidéo sortira normalement. Si je dis pas trop de bêtises.
bon, c'est à 3 minutes. J'ai pas de contrainte d'heure de déchargement, donc j'y vais quand je veux. On va y aller. Je commence à rouler comme un dingue parce que maintenant je suis quand même un peu plus léger. En tout cas, ce ne sont que des palettes, disons. C'est surtout ça le truc. Bonjour madame, attention, j'arrive. Voilà, je commence à. Oh, un petit chien! Le petit chien trop mignon! Alors là, par contre, on va se détendre. Attention, je passe! Et c'est parti. Et là, vous voyez, je monte sans problème. Donc j'ai dû faire une connerie au tout début, vraiment, mais. Ah, ouais, ça. Là, ça y va, là. Là, on y va. À fond les ballons. Ok. On a le panneau à Samaka. Je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un vrai chemin. Je suis dégoûté, voilà. Il faut que je tourne à gauche. Ouais, t'es bien mignon. Ah ouais, là. Oh putain. Oh, l'enfer. Toujours regarder dans le sens opposé où on tourne, hein, bien sûr. Pas du tout oublier cette règle. Oh, on se fait des petits plaisirs là à un moment donné, on n'est pas encore dans le vrai sérieux. On en profite. Et puis là au bout. Voilà. Oh putain. Déconnez pas les gars. Là faut pas déconner. Hein. Ok. Bon, je ferais un peu moins le con s'il y avait. Enfin, s'il y avait des gens en face. Wesh. Non, mais dans quoi on s'embarque encore, je ne sais pas. Ouais, s'il y avait des gens en face, je ferais pas autant le con. Mais là, je sais que de toute façon, on croisera personne. À part le gouffre sur la gauche, bien sûr. Ok. On a réussi. Encore une fois. C'est quoi là? Donc, AD Translog. Mais j'arrive pas à lire ça, je sais pas ce qu'il y a écrit en dessous. Je ne sais pas. Attention, j'arrive. Oh putain de merde. Hop là, le buisson. Ça fait plaisir. Mais ça, jamais de la vie, tu passes comme ça. Ok. Bon, je sais pas où c'est qu'ils veulent leur palette là. Ah, peut-être. Peut-être ici, tiens. Ah, je vais leur mettre là et puis ils se démerdent. Hop. Petite manœuvre des familles, bien sûr. Pourquoi je suis en R3? Putain, je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai tout déréglé. Bref. On va se caler là. Et on sera plutôt pas mal. Allez! Les amis, ouah, je me suis pas du tout reculé, hein. A tout de suite. Allez les amis, je viens de me barrer de l'entrepôt, je viens de repasser au-dessus du pont. Et du coup, nous cette fois-ci, on va partir sur la gauche. Évidemment, on ne va pas espérer à prendre des routes normales, hein, clairement. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Déjà, ça fait plaisir d'avoir des maisons, des habitations et de la vie et des gens, donc ça c'est cool. Peut-être un peu trop de pierres sur le chemin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les pierres, j'avoue, c'est un petit peu abusé. Sur les côtés, ok, mais sur la route, je trouve ça abusé parce que, en réalité. Voilà, je te le dis, my goodness, mais c'est vrai qu'en réalité. Oh, c'est magnifique devant. Attendez, j'avais pas encore vu ça parce que nous, on vient de la droite. Mais ouais, en réalité, on passerait pas avec les cailloux qu'il y a. Hein. Par contre, là, je vais pas m'engager dans ce truc. Mais je vais sortir du camion pour aller regarder quand même. Alors on va faire en sorte de pas déranger. Bon, de toute façon c'est pas comme s'il y avait des véhicules ici. Hein. Bah, regardez, il y a un arrêt de bus. Je sais que c'est pas bien. Ah bah c'est bon, le bus il se met devant. Genre il y a un bus qui passe ici, MDR. On va se mettre sur le Teco. Hop là. Juste ici. Comme ça on va vraiment pas déranger. Comme ça. Petite marche arrière encore. Donc là je suis à vide, hein, bien sûr les amis, j'ai plus rien dans la remorque, là c'est juste du plaisir. Voilà, on va se mettre comme ça, en vrai de vrai. J'ai envie de vous dire, on va laisser tourner le moteur. Je suis vraiment pas mal, du tout en termes. Et regardez, je dérange pas, voilà, bon, et les gars, voilà. En semi, je sais pas encore comment j'aurais fait, hein. J'ai pas fait de formation encore en semi. Hein. Bref, alors on va aller voir ce qu'on a ici. Ça a l'air très joli. On a une petite fontaine, oh, avec des nichons. On a des gens qui discutent, c'est formidable.
Des petites maisons avec une vue de salaud. Oh là là, c'est super chouette. C'est super chouette. Putain, mais ils ont des marécages en hauteur. Et l'océan avec une île en face. Ça va, quoi. Il y a pire comme vue, quoi. Incroyable. Bon. Bah voilà. Ah, il y avait des gens qui discutaient là aussi. Vous parlez de quoi? Oh, il y a un magasin. Putain, ça doit pas être les grandes affaires ici, hein. Si je puis me permettre. Bon, allez. On y retourne, les amis. On va aller jusqu'à la cinématique. On va voir ce que nous réserve la suite, parce que là, je m'attends à plus rien. Voilà, enfin, je m'attends à plus rien. C'est pas ça, je m'attends à tout. C'est surtout ça. Je sais pas ce qui va nous arriver. À la fin, on va se retrouver dans un bourbier. Parce que, comme dit de base, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on prenne des petits chemins comme ça. J'avoue, j'avais pas forcément préparé l'itinéraire en réalité. J'avais juste préparé le chemin en lui-même sur la carte et le côté RP. Voilà. Mais j'avais pas du tout prévu le terrain en lui-même. Ouais, on est dans du sable. Oh, il y a une carrière ici, quoi. Ok. On va se retrouver dans une carrière, tu sais. Ok. Et voilà, on va continuer du coup. Oh purée, ça va tourner encore sec après. Mais oh purée, oh là là, de toute façon on y va, là on s'en fout, on a plus rien à perdre les gars. Le camion il est déjà perdu, j'ai envie de te dire. Sauf si vous voulez qu'on le retrouve dans la prochaine vidéo. Mais ça c'est à vous de me dire. Ça c'est à vous de me dire. C'est une carrière. Wesh, en plus c'est gigantesque. Wesh. Merde. Incroyable. D'accord, on est vraiment dans une carrière. Ok, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai vraiment le camion adapté à la situation, messieurs, dames. Putain. Sans déconner. Bon là, ok, ça va. Le virage, je pensais que j'y arriverais pas là en le voyant sur le GPS. Mais en vrai, de vrai, lui, il se prend en une fois sans aucun problème. Hop. Aucun putain de problème. Par contre, ça braque pas du tout. Hein. Ok. Impec. Pas de quoi paniquer, hein. Pas de quoi casser quatre pattes à un canard, c'est ça, hein, comme on dit, hein. Et on se retrouve bel et bien sur la grande carrière d'Asamaka, donc. Et en plus, nous avons des... Ah non, je croyais que c'était pour les gens, là, vous savez, pour monter comme à Toulouse, là. Mais pas du tout, c'est pour monter ou descendre la terre, extraire, etc. La terre, tu sais, le mec il s'y connaît trop bien, quoi. Enfin, voilà, on voit le chemin qu'on a pu prendre. On s'est bien fait arnaquer. Voilà, je vous le dis, je me suis fait arnaquer. Je pensais pas que ça allait être des routes aussi terribles. Si j'avais su, bah voilà, on aurait pris un camion adapté. Voilà, j'en perds mon latin. Merci encore à MyGodness pour sa confiance. Merci à vous les amis pour votre confiance. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le petit commentaire qui fait plaisir. L'abonnement qui est gratuit. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, comptez sur moi, comptez sur moi. I'm back. Oh non, I'm back. Ça vous dit rien? Bon, pour ceux qui s'en souviennent pas, I'm back. I play Pokémon Go.